avec le conflit qui perdure, Israël-Hamas. La nuit dernière à Montréal, il y a une synagogue et un bâtiment appartenant à la communauté juive qui ont été visés par des engins explosifs. Et Andy, pour la communauté juive, clairement, c'est un lien avec le conflit israélo-palestinien. Absolument. C'est ce que dit, en tout cas, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui a tenu un point de presse, effectivement, au cours de la dernière heure, sous le coup de 13 heures, Julie. Vous savez, on a craint, en tout cas, depuis le 7 octobre, les communautés, là, que ce soit palestiniennes ou encore juives, on craint des répercussions de ce conflit-là. Et clairement, là, pour le Centre consultatif, aujourd'hui, il s'agit de crimes haineux. Cependant, et je prends le temps de résumer l'affaire, le SPVM ne confirme pas un crime haineux, mais dit qu'il y a une enquête qui est en cours de la part de la division des incendies criminels en collaboration avec le module qui est chargé des crimes haineux. Donc, c'est survenu la nuit dernière et ce qu'on est en mesure de confirmer, c'est qu'il y a une synagogue à Dollar des Ormeaux qui a été visée, a été la cible donc d'un cocktail Molotov, ainsi qu'un autre, bâtiment appartenant à la communauté juive qui est situé vraiment tout juste à proximité. C'est à un jet de pierre, Julie. Mais le centre consultatif aujourd'hui tenait à s'asseoir devant les médias, s'adresser à la caméra, s'adresser aux gens qui écoutent à la maison. Et le message qu'ils avaient à faire passer, c'est « c'en est assez, il faut se tenir debout, qu'on soit d'un côté, qu'on soit de l'autre. » Ce qui se passe en ce moment est franchement inquiétant. Depuis le 7 octobre, nous avons les statistiques. Contre la communauté juive, 11 incidents de crimes haineux, un crime haineux pendant une manifestation, qui totale 12 crimes haineux à Montréal plus de 25 incidents haineux. Et Andy, rien pour calmer les propos de l'imam controversé Adil Sharkawi sont vivement dénoncés actuellement par la classe politique. Exactement. D'ailleurs, je ferai entendre les oppositions. François Legault, également François Bonnardel, qui a pris la parole au cours de la dernière heure, Julie. Mais simplement rappeler aux gens qui est cet imam controversé, Adil Sharkawi. Sans doute que son nom vous dit quelque chose. Voyons ensemble des images, entre autres, de ce discours qu'il a prononcé à la Place des Arts au centre-ville de Montréal au cours des derniers jours dans le cadre d'une manifestation en soutien à la Palestine. Et là, je résume ses propos. C'est notre bureau d'enquête qui rapporte ça ce matin. Julie, je résume. Il dit « Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclue aucun d'eux. » C'est ce qu'il déclare, entre autres, dans un discours en arabe qui est accessible via son compte TikTok. Aujourd'hui, évidemment, c'est vivement dénoncé par la classe politique. On écoute. Je vais laisser les autorités voir s'il y a matière à donner des suites judiciaires à ça. Mais pour l'instant, c'est inacceptable, très clairement. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Et ben moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. J'invite la population à porter plainte s'ils considèrent que ce sont des propos qui sont haineux. On suit la situation très, très près avec le corps de police de la ville de Montréal, principalement, même avec tous les corps de police, pour s'assurer que les différentes communautés se sentent en sécurité et que la population se sente en sécurité. Et Julie, je termine en vous disant, c'est ce même Adil Sharkawi qui n'en est pas ses premières déclarations, déjà, disons, controversées, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Il avait été, rappelez-vous, emprisonné il y a quelques années en raison de ses liens présumés avec le groupe terroriste Al-Qaïda. Alors, vraiment, beaucoup de réactions et on continue de suivre cette affaire qui en suscitera d'autres, assurément, au cours de l'après-midi. Merci, Andy. Bye-bye.